le Valo Royale. Le but du jeu, 25 joueurs à la fin. Il en reste plus que 5. 4 joueurs qui viennent jouer avec moi et un joueur en remplaçant. Cette équipe, ce sera chez Youngtis, qu'elle sera, et la branche e-sport du campus de la Salty Academy. On suit une équipe et surtout, on va suivre les joueurs. Donc, le but du jeu, c'est de suivre individuellement comment les joueurs parlent, comment ils communiquent, etc., etc. Ça, ici, c'est le tableau. Le tableau qui va être rempli. Mais il ne sera pas rempli par nous. Il ne sera pas rempli par les personnes qui sont déjà ici, qui vont remplir ce truc-là. Il y a quasiment une dizaine de personnes aujourd'hui qui travaillent en back-office pour les étudier, les noter, etc., etc. Et pour à la fin qu'on ait une note en fonction de ce qu'on recherche. La note nous permettra de nous séparer, de remercier 5 personnes à la fin de la journée, 5 personnes demain, 5 personnes après-demain, etc. Jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 5. Et le but du jeu, c'est qu'il se démarque. C'est pas une question de BO3, c'est pas une question de qui va gagner, etc. Le gagnant, au final, l'équipe qui gagne, on s'en fout. Le match n'est qu'un prétexte pour essayer d'analyser la qualité in-game du joueur sur des éléments de communication et sur les éléments forcément de kill, etc. Alright, I'm gonna show you guys. I'm being pretty. Okay, and me, I'm Mary. Oh, Mary, really? Il y en a qui parlent beaucoup, je trouve. No Artist, tu joues au jeu ou pas? Si tu joues au jeu, le prends pas comme une offense. Dis-moi quel est ton grade. Oui, oui, je suis gold, donc pas au niveau. Bah, l'une des raisons pour lesquelles t'es gold, c'est peut-être parce que justement, ça communique pas assez dans ton équipe. La communication, c'est extrêmement important pour les. Si tu trouves que là, ça parle trop, ça montre malheureusement souvent que t'es pas dans le haut du palier, quoi. Une bonne communication, c'est important. Et là... Là, ça parle pas trop. Il vaut mieux que ça parle un tout petit peu trop que pas assez, en fait. Après, libre... après, le son n'est pas forcément... Là, on met le son très très fort pour tout le monde. Sur un timing, pour bien les entendre. Fais gaffe derrière toi. Ah, libre à toi, après, si ça te dérange énormément dans le jeu, de baisser un peu le son et de l'adapter, tu vois. Mid. Waouh, c'est quoi ce... Encore. Il prend le smoke. Il plante. Ouais, je flash. Allez, je reprends. Je suis wall. Le last doit être dans le mid. Je fake. Je le flash, vas-y, je le flash. Dans ma smoke, je pars. Ok, bien joué. Sur la nade. T'inquiète. Bien joué, c'était propre. Bien joué, le raid. C'est pas coqui. On vous attend, je peux vous smoke mid si vous avez besoin. Le cypher il est défaut, je pense. Putain, j'ai pété le mur. Reste connector, hein. Les gens se rebougent. Avec sa smoke. Excuse. J'arrive au mec. Il est mort. Vous voulez pas retard droit? Faut plante. Je peux. Je plante screen. Je wall screen, pardon. Ça arrive par CT. Screen wall. Je suis en slow, sur la rampe. Essayez de tempo un peu. Ça pète mon wall. Hauteur. Hauteur. Mort. 3. Je suis caché avec toi pour 4 ans. Deux screens. Attention à gauche. Ils sont 4 morts. Bien joué, les gars. Je l'ai. Bonjour Siskat, j'aimerais avoir un PC gamer, mais ma mère ne veut pas l'acheter. Ok. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, Atexis? Tu veux que je demande à ma mère juste, gros Kev, ou pas ou... Demande à Mary, non, Mary il a pas un rond, laisse tomber. On peut pas faire du RP et du Destiny et vouloir de l'argent, c'est pas possible. Il le sait ça. Elle a quel âge ta mère? C'est important pour si je dois négocier pour savoir après comment tu dois comment tu dois lui parler, etc. Elle a 47. Déchets électriques. Ah c'est mort. C'est mort je pense. Je pense la console c'est bien. 47 c'est presque ton âge. Ouais à 11 ans près les mecs tranquille quoi. Allez bien vous faire voir. Je pense que ceux qui sont elle est encore mariée avec mon père. Ouais, c'est pas très grave. Ça. Tu sais, les mamans, c'est un peu donnant. Donc demande-lui. Et écoute bien ce que je vais te dire. Moi, j'ai trop ma spectre, mais. Tu vas la voir et tu lui dis exactement ces mots. Maman, il faut que je te parle. J'aimerais vraiment avoir ce PC pour ses raisons. Donne-lui des raisons valables. Travailler, à l'école, etc. Et de temps en temps, jouer. Mais quand j'ai fini mes devoirs. Ça, c'est important. Ensuite, tu lui demandes ce qu'elle attend de toi en retour. C'est un deal. Tu lui dis, écoute, moi voilà. Hein? Si tu me donnes ça, je suis prêt à donner ça. Et peut-être qu'elle va te demander de
de l'aider avec son travail, de l'aider dans des tâches ménagères, de l'accompagner, de surveiller, de faire une filature sur ton père, un truc normal quoi, un truc normal. Voilà. Et voilà. Et autrement, si elle veut pas, tu l'insultes et ça passe aussi. C'est pas du BO1, hein. Je veux pas entendre parler de BO1 ou de BO3, c'est pas méchant, mais on s'en fiche du score. C'est important de le savoir, il n'y a pas d'équipe. Là, c'est les individuellement qu'on note les joueurs. Enfin, qu'on note. Qu'on les étudie, qu'on regarde un peu. C'est l'ulti, les gars, c'est l'ulti. Ennemi trouvé. Ça avance, il y a le spike. Ouais, mais l'ulti chaud, là. Bien joué. BJ ça. Waouh. Gunbot. Attention. Tu peux me laisser sur le tueur. Tu vois, qui court, tu vois. Passé, Naïs. Bien joué, gros. BJ. Deux. Faut tourner. C'est deux contre deux. Ils ont Avengers. On est 3v2. T'as un ulti, Naïs. Ouais, je sais. Je reprends hauteur. La grosse CT. Vas-y, moi je sneak en CT. Shower, c'est clair, les gars. Je les cale. Je te casse le mur, gros. Mur cassé. Vas-y, je vais ulti. T'es une nade, Raze. T'es pour short. Ouais, tu veux. En but. Oh, ma pote. Double box. Dommage, gros. C'était très strong de la part de Nairu quand même. Flash les... BP. Je vais pas. Allez-y. Enterré. Un mort, deux. À gauche, il me décale. Vas-y, toi aussi, là. Viens là, toi. J'ai une meilleure. Tac, dans ta gueule, toi. Vas-y. Dernier, c'est 100%. Non, c'est pas grave, je suis bien tenté. J'avais plus presque. Je suis tombé avec des putains de nudes. Comment c'est possible de faire du 0-21? Ça, je peux pas répondre à cette question. Mais je peux te demander. Tu peux faire twitch.tv/TheMary. Lui pourra peut-être te répondre. C'est quoi les serveurs IPS faibles? C'est la première fois que ça me le fait. IPS, c'est les images par seconde. Donc, c'est les serveurs. C'est les images par seconde du serveur. Mais en gros, c'est le tick, quoi. C'est le tick rate. Les mecs, on peut rusher comme des chiens, le sait. Vas-y, vous avez qu'à dire que j'en ai rien à foutre de ce que je vous dis, bande de connards. Et je vais mettre mon slow défaut et je vais mettre un wall à droite. Je vais prendre l'info défaut, vas-y, je vais prendre l'info BP. Vas-y, puis j'annulerai. Il est défaut. Il saute, les mecs. Oh, je pense qu'il a collé. Je prends de penchante. J'ai le cul. Valise stimulante en place. Faut dire si ça fait une double slow, hein. Okay, trop gros! Non, trop gros toujours! Caisse, fond BP. Je vais deux. On décale ensemble. Ah, la mise, bien joué. Je regarde un peu sur l'ast. Ok, toujours en bas, je pense. N'importe où, l'ast. Hauteur. Je suis mort. Nice! Je joue mort. Bien joué. Ça joue bien, non? Très bien! Et on switch! Elle est mignonne! Ouais, t'as vu? Quand t'es en écho, tu pars avec une probabilité, une possibilité de gagner qui est faible en fait. Donc c'est là que tu peux faire parler un peu l'originalité, la créativité, voilà quoi. Faire parfois des trucs qui se ressemblent un peu pas à grand chose quoi. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est bah normalement c'est un round qui va être perdu. Donc essayons de le jouer le mieux possible en essayant d'appuyer à un endroit quoi. Ce qui permet parfois d'accentuer la prise d'une arme. Et parfois ça peut avoir un impact énorme. Hein. Comme on l'a vu tout à l'heure hein, sur Bind. Il a récupéré le spectre de Mounel et derrière bah, ça a fait un autre kill puis un autre puis après en fait au final bah, l'écho s'est transformé en c'était plus un écho en fait. Tout le monde avait des armes. Juste là. Il y a un call vagin. Ouais. Les gars, il en faut un qui prenne Garden. La Garden n'est pas prise. C'est en haut de la short à droite. Si on regarde Dora, il y a un truc. Ça ressemble à une chatte, mais pas très. Ton drone, ça va? Pas ouf quoi. Quelques kilomètres au compteur quoi. Un peu malade même. Pas fraîche. Voilà, c'est ça, pas fraîche. C'est bon. Une goose die, ça ressemble à une goose die. Ouais, pour Angadix, c'est une goose die. Sachant que c'est l'une des seules nanas du campus de la Société Academy, on peut la croire. Ça ressemble peut-être plus à une goose die effectivement qu'à une touche. Après, bon. Goose die, c'est long. On se regroupe là. Après, le problème de Vagin, c'est que bon, il y avait 60% des joueurs de Fortnite qui participent qui savaient pas. T'étais perdu quoi, ils se demandaient. Vagin, cover, go cover. Pas de charge. C'est quoi, c'est un. C'est un joueur. Un grenier, non? Il pensait que c'était un nom de joueur professionnel, hein, tout simplement. Mais on a dû leur expliquer, leur montrer des images. Hein,
Ils étaient... Il y en a qui ont été choqués, il y en a qui participent pas au solstice. J'ai côté, côté Valor Royal pour ça, quoi. Vas-y, j'ai côté droit. C'est dur, hein. C'est dur. Là, ça va être force buy. Le col ciment, c'est nous aussi. L'avantage du col ciment, c'est que c'est un... C'est un col très concret. Ouais, c'est des blagues à l'international, hein. Ça c'est... Pff, là c'est haute voltige, hein. Là c'est next level, hein. Toi, tu vois, tu... Y'en a la moitié du chat qui a rien compris. Quoi ? Pourquoi être très con ? Ouais. J'entends rien dans le garage. Je peux pas trop smoke le mid. Ok, encore un. Encore un. Lâche-le, t'as Sonic. Nice. Nice. Spike sur moi, spike sur moi, spike ramp. Ok, nickel. Attends, néné. On est bon, on est bon. Ok, nice. J'ai les gars. Okay. Bon. C'est quoi one way? One way, ça veut dire dans un sens, à sens unique. One way. Et en gros, c'est la possibilité de mettre des murs ou des smokes à un certain endroit pour que bah, vous puissiez, la plupart du temps, voir l'ennemi sans que lui puisse vous voir, en fait. Donc le but du jeu, la plupart du temps, en fait, c'est de mettre une smoke qui souvent est au niveau de la tête du mec. Que lui, quand il décale, bah, il voit rien, il a une smoke dans la gueule, mais ses pieds dépassent. Et normalement, s'il est assez bon, il sait de facto, quand il voit cette smoke-là, qu'il ne peut pas décaler, parce qu'il a un désavantage. Donc si la smoke one way est bien mise, en fait, c'est extrêmement relou, pour la simple et bonne raison que tu sais que tu ne peux pas faire grand-chose, en fait. Donc tu es obligé un peu d'attendre, quoi. C'est ça, une smoke one way. J'ai pas entendu de trap de Cypher, ça joue peut-être. Raise, allez, mid. Brim, raise. Je smoke. Commande mid. Il est mort, let's go. J'arrive au garage. Ça va être dur dans l'ennemi. Ah, ouais, mais après, vous allez voir qu'il y a un truc qu'on a déjà vu par le passé. Là, il y a une hétérogénéité au niveau des joueurs, mais c'est en les faisant s'affronter entre eux, si je puis dire, les meilleurs, que là, tu vas voir qu'il y en a qui vont plus stresser ou plus stresser, machin, tu vois ce que je veux dire, quoi. On a un facteur consistance, sur le... Ils sont deux encore. Nice. Pour éviter, en fait, qu'une personne fasse... soit nul à chier et parfait, tu vois ce que je veux dire. Et oui, effectivement, si je devais prendre comment dire, un cas très très simple, en gros, une personne qui va faire 0 à la game 1 et 100 à la game 2 n'aura au final pas la même note qu'une personne qui va faire 50 à la game 1 et 50 à la game 2. Parce que la moyenne, c'est sympa pour c'est sympa la moyenne, mais la moyenne, c'est pas parfait, quoi, hein, les moyennes. En tout cas, je suis très content de leur gars, hein, que je tiens à féliciter. Ça a été très très bien organisé, hein, voilà, du début à la fin pour cette première journée. C'était la journée sur laquelle on avait un peu peur qu'il y ait des couacs. Ça a été très bien organisé. À voir derrière si nous, eh bien, on arrive à gérer toutes les datas qu'on voulait, hein, parce qu'on a beaucoup de data à process. Donc là, je peux commencer à regarder un petit peu, parce que du coup, les tableaux doivent être remplis. Ah, il y en a, ils sont en vert. Ah, il y en a, ils sont moins en vert quand même.